What's up tout le monde, c'est Christophe. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui on va vraiment parler d'un sujet assez intéressant en fait de ma part, parce que faire ce genre de Breaking News c'était avec un réel plaisir. C'est sur des prototypes, des choses qui risquent d'être annoncées dans le futur. Et franchement pour moi c'est vraiment, on va dire, beaucoup d'innovation et des super belles choses. Donc comme indique le titre, on va parler donc d'un appareil électronique qui s'appelle Print, qui est destiné pour les smartphones. Qui servira un peu en quelque sorte de protection. On a pu tous voir un peu ces fameuses protections, je pense que vous devez sans doute connaître, ces protections qui détiennent en fait une petite batterie et qui permettent en fait tout simplement de recharger son iPhone. Ici c'est un peu le même principe, sauf qu'elle aura pour fonctionnalité non pas de recharger l'appareil, mais en fait de servir d'imprimante. Il y en a qui vont me dire mais à quoi ça sert et tout, on va en parler de ça après. Mais je vais vous expliquer un peu en fait qu'est-ce qui se passe, comment en fait finalement tout ça a été aperçu et par qui ça a été écrit. Alors ça a été écrit en fait pas par une personne mais par 6 personnes qui ont eu cette fameuse idée là de créer un accessoire pour smartphone qui servira en gros de pouvoir avoir la possibilité d'imprimer sans avoir besoin en fait recours à une imprimante, par exemple comme ici, enfin là vous la voyez pas mais bon voilà, comme à une imprimante en fait fixe, puisque là c'est une imprimante portable de poche même finalement. Ça a été donc inventé par 6 jeunes français qui ont eu la chance en fait de participer sur un site qui s'appelle Kickstarter, qui ont en fait ils ont fait une annonce en fait pour auto financer le produit, parce que ça coûte très cher et ces 6 jeunes français n'avaient pas les moyens nécessaires pour développer, créer ce produit là, et ils demandaient tout simplement 50 000 $. Et ils ont eu cette chance là où beaucoup de personnes ont participé et leur ont fait en quelque sorte un peu des dons, et il y a eu environ 550 000 $ qui ont été donnés, enfin que les gens ont donné. Bon, là les chiffres c'est 530 000, mais les estimations là maintenant c'est 550 000 $. Ce qui est juste énorme, c'est que ce produit là il va sortir, d'ailleurs il va sortir pendant la période d'été, donc ça risque à mon avis peut-être de buzzer et peut-être de, voilà, je pense que c'est intéressant d'en parler. Ça peut-être que ça va super bien marcher, ou peut-être au contraire ça n'a pas du tout marché. On va parler un peu de l'intérêt après. Moi je vous dis pour l'instant les choses, les caractéristiques à propos de ce produit là il sera disponible pour l'instant, ça a été noté, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, Galaxy S4 et Galaxy S5. Peut-être avoir dans l'avenir les futurs appareils, les futurs smartphones. Donc là on est vraiment sur deux gammes, c'est-à-dire on est sur sur Samsung et aussi chez Apple. Donc deux marques différentes, mais on va dire des assez grosses marques qui devraient pas gêner beaucoup de personnes. Donc ça à mon avis ça risque de plaire aussi. Au niveau du tarif, pour l'instant, cette fameuse mini imprimante portable est aux alentours de entre 120 et 150 euros. Pour l'instant, il n'y a pas de chiffre. Bon, c'est vrai que ça fait relativement cher. Ça reste un gadget et peut-être que dans le temps, ça va diminuer parce qu'il y aura une production en masse. Et si ça intéresse, bah, ça va augmenter la production et après, ça va coûter moins cher. Au niveau donc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une imprimante portable, donc forcément on va falloir mettre des cartouches d'encre dans cet accessoire là, et que en gros vous aurez la possibilité donc de payer une cartouche qui est à l'équivalent environ de 5 euros, et elle pourra vous faire imprimer 5 images, enfin non, une dizaine d'images, excusez-moi, soit environ 50 centimes en fait finalement la chose que vous allez imprimer. Ça peut être des photos, ça peut être par exemple un screen que vous prenez sur une map parce que vous avez plus beaucoup de 3G et que vous devez retrouver un endroit. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez screen, mais par exemple pour une utilité plus facile, et bien hop, vous imprimez. Enfin voilà, je pense que c'est une très bonne idée, ce concept là. J'encourage ce genre de concept parce que ça fait plaisir déjà de voir ce genre de concept pas créé par une énorme entreprise qui font un énorme chiffre d'affaires, qui ne pensent qu'à ça, et comparé à là où voilà c'est des jeunes qui ont pensé à ça, et je pense que ça peut être super cool. Par exemple vous êtes dans une soirée et puis vous prenez une photo, vous la faites imprimer, vous donnez la photo à la personne par exemple comme souvenir ou des trucs comme ça. C'est un aspect pratique très cher pour l'instant, mais je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, donc je vous ai montré pas mal d'images sur l'écran. C'est vrai que c'est assez choquant de voir ce genre de concept là. Moi j'ai eu j'ai eu une protection en fait qui permettait d'avoir une batterie. Je crois qu'il y avait un truc comme 1800 ou 2800 mAh
qui permettrait en fait de vachement bien recharger mon iPhone à l'époque. Et c'est vrai que ce genre de... c'est des gadgets, mais à la fois on l'utilise. Bon, peut-être la protection qui permet de finalement de charger l'appareil, c'est peut-être plus efficace qu'une imprimante, mais c'est plutôt fun. Voilà, ça reste dans un délire qui peut vraiment faire plaisir aux gens. Et bon, voilà, sans plus, mais je trouve ça assez sympa. Voilà, merci pour tout les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page personnelle, et surtout les gens, de mettre un commentaire dans la vidéo, parce que je réponds à tout le monde, et ça me fait extrêmement plaisir de voir vos avis, de voir ce que vous en pensez de tout ça, et moi ça me motive, voilà. Peace out.